All right, so good afternoon again. So as it was said, so now we'll move into space and young adults and their relationship with social inequalities and health. So you'll see three different sets of analysis today. They're all quantitative analysis based on ISIS data collected from 2011 to 2014. And a little bit going back to the question that was posed earlier today, we have different approaches because there's no one way, to go about this question. So I will start with an approach centered around residential environments. Then we'll move to activity spaces with Martin, and then to perceived neighborhoods with Julie. So let's start with residential environments and smoking behavior. So we know from numerous research that residential environment characteristics are associated with smoking prevalence. What we have little knowledge of is about how these characteristics may be associated with changes in smoking behavior. Now, this is important because determinants of changes in smoking behavior may be different to those of smoking prevalence. And not only that, they may be different depending on the type of smoking behavior we're looking at, be it initiation, maintenance, or cessation. So today, I'll focus on one of the many characteristics we measured through the ISIS, the different studies with ISIS. So its presence and density of tobacco retail stores, very well-known characteristic associated with smoking prevalence. So I will show you some results, then I will talk about potential mechanisms that can explain our findings. So on this graph, what you see is different patterns of smoking behavior. So the first one on the left-hand side is the probability of being a smoker for 2 years or longer. For an individual living in a residential area with a higher presence or density of tobacco retail stores versus those living in other areas. The same for the other two measures you see on the graph, being a non-smoker for fewer than 2 years or being a smoker for fewer than 2 years. And what we were able to see is that a high presence or density of tobacco retail stores was significantly associated with the probability of being a smoker for 2 years or longer. In other words, maintenance of smoking, if you will. And that probability is 33.5% versus 17.2% for those living in areas other than those having a higher density or presence of tobacco retail stores. Now, conversely, we did not see any significant associations between this feature and the other two patterns. Again, those perhaps shorter in time, being a new non-smoker or a new smoker. So, mechanisms that can explain these findings. The first one is certainly proximity, well documented in the literature. So what you see here on this slide is a map of Montreal divided by sociological neighborhoods. So, and in different colors, the density per square kilometer of tobacco retail stores. The ones in orange and red have the highest densities. And what happens in this case is, well, one, certainly tobacco becomes much more accessible. So that has an impact definitely on maintenance of smoking. But also another potential mechanism operating here is this generates also higher competition, and this may translate into lower tobacco prices, which then may translate into higher consumption, and again, higher maintenance of smoking. This, in particular in young adults, is important, by the way, pricing of tobacco products, because they are very sensitive to pricing, and therefore this, again, can sustain tobacco consumption. A second mechanism is exposure to point of sale marketing. So this presence can certainly, again, help sustain tobacco
tobacco consumption, and also increases the likelihood of initiation. In particular, again, young adults are sensitive to these tactics, and this is because tobacco retail marketing tends to be more prevalent in stores with higher youth traffic. A third mechanism is environmental cues. So store-related environmental cues, such as the ones with point-of-sale marketing, certainly can contribute to smoking behavior. But also in absence of these features, such as seeing price boards or just seeing the where cigarettes are stored behind, just the mere sight of tobacco retail stores, studies have shown that they may trigger cravings and impulse purchases. And this may be even more so in the case of light smokers due to their higher likelihood of shifts in craving. Finally, a fourth potential mechanism is normalization. So definitely a higher presence, a higher concentration makes tobacco more present in an area, and definitely contributes to make smoking as a more socially acceptable practice. Therefore, again, contributing to the maintenance of smoking. So I will hand it over now to Martin, who will bring an activity space lens to this problematic. Merci. Donc, étudier le quartier de résidence pour mieux comprendre l'effet de l'environnement urbain sur le tabagisme, c'est une avenue de recherche parmi d'autres. En fait, dans la littérature, l'accent qui est mis sur le quartier de résidence au détriment d'autres milieux de vie a en quelque sorte été critiqué, notamment parce que cette approche néglige de prendre en compte les individus et l'expérience qu'ils ont de leur quartier de résidence ou de l'environnement plus largement. Puis, c'est ce qu'on a appelé « the residential la trappe, le piège local ou résidentiel ». Pardon, j'en perds mon français. Donc, effectivement, les jeunes, comme vous et moi, se déplacent à travers leurs activités de tous les jours. Et ils passent du temps dans les quartiers qui sont leurs quartiers de résidence, mais aussi des milieux non résidentiels, comme le lieu de travail ou d'études, par exemple. Puis, le fait de tenir compte de ces déplacements-là à travers la ville et de l'espace d'activité des jeunes, c'est d'autant plus important, car comme l'ont mentionné Anaïs et Thierry, la période de jeune adulte, c'est une période où il y a beaucoup de transitions importantes qui se font. Et c'est une période qui est accompagnée d'une augmentation dans l'indépendance des jeunes et aussi dans leur potentiel de mobilité, donc de se mouvoir à travers la ville. Puis ça fait que les jeunes adultes, en fait, peuvent s'approprier une diversité de milieux. Puis en fait, les mécanismes qu'on suppose relient l'environnement du quartier de résidence au tabagisme, comme la présence de détaillants de tabac ou la normalisation des pratiques tabagiques dont a parlé Adrian, peuvent être à l'œuvre autant dans les milieux non résidentiels, dans les quartiers de travail ou d'études, que dans les quartiers de résidence. Donc, c'est ça à quoi je me suis intéressée dans ma thèse et que j'ai étudié avec les données de la première vague d'ISIS. Donc, j'ai eu recours au concept d'espace d'activité, comme l'a fait Anaïs, que j'ai défini comme étant la combinaison du quartier de résidence, mais aussi des quartiers d'activité des jeunes adultes, donc leur quartier de travail, d'études, là où ils faisaient des courses alimentaires, où ils faisaient des activités sportives et des activités de loisirs. J'ai géolocalisé tous ces lieux-là, puis j'ai créé une zone tampon autour de chaque lieu pour me permettre de caractériser l'environnement de ces milieux-là. J'ai mesuré, entre autres, la défavorisation des environnements, ainsi que le nombre de détaillants de tabac et la distance au commerce le plus proche à partir de chacun de ces lieux-là. Puis j'ai ensuite étudié, d'une part, s'il y avait des inégalités sociales dans les expositions au quartier de résidence, mais aussi dans l'espace d'activité, et s'il y avait un lien entre ces expositions-là et le tabagisme. Donc, en premier lieu, ce qui est intéressant de constater, c'est qu'il y a des inégalités sociales chez les jeunes adultes dans l'exposition qu'ils ont de la défavorisation au niveau du quartier, autant dans leur quartier de résidence, qui est la ligne supérieure, là,
que dans l'espace d'activité. Donc, on voit que les jeunes moins éduqués, non seulement vivent, mais aussi passent du temps dans des endroits qui sont plus défavorisés que les jeunes qui ont un niveau d'éducation moyen ou élevé. Puis, quand j'ai fait l'exercice avec une autre exposition, qui était l'exposition au commerce vendant des produits du tabac, on a observé quelque chose de similaire, donc un gradient similaire, pour le quartier de résidence seulement. Donc, c'était toujours les jeunes moins éduqués qui étaient exposés à un plus grand nombre de commerces vendant des produits du tabac que les jeunes plus éduqués. Par exemple, quand on tenait compte des lieux d'activité, donc de leur espace d'activité, c'était un gradient inverse qu'on observait. Dans ce cas-là, c'est les participants les plus éduqués qui étaient exposés à des environnements moins favorables, dans ce cas-ci, à des environnements où il y avait un plus grand accès potentiel à des commerces vendant des produits du tabac. Puis finalement, dans un autre article, j'ai étudié l'association entre le fait d'être fumeur et le nombre de commerces vendant des produits du tabac dans le quartier de résidence et dans l'espace d'activité. Et j'ai aussi étudié le lien entre le fait d'être fumeur et la distance au commerce vendant des produits du tabac le plus proche. Donc, dans un premier temps, j'ai observé qu'il y avait une association positive. Donc, qu'un plus grand nombre de commerces vendant des produits de tabac, autant dans le quartier de résidence que dans l'espace d'activité, était associé à un risque accru d'être fumeur. Par contre, pour ce qui est de la distance au commerce le plus proche, c'est seulement dans l'espace d'activité qu'on voyait une association positive et significative. Donc, en bref, ces résultats nous indiquent que le fait de tenir compte de la mobilité et des lieux d'activité des jeunes adultes peut nous aider à jeter un regard nuancé sur le rôle que peut jouer l'espace urbain dans les inégalités sociales, d'une part, mais aussi dans les inégalités sociales liées au tabagisme. Je passe maintenant la parole à Julie. Donc, pour justement creuser aussi de quelle manière l'espace urbain et la pratique de l'espace urbain pouvaient intervenir dans la production et la reproduction des inégalités de santé, dans mes recherches au sein de l'équipe ISIS, ce qui m'a intéressée aussi, c'était de creuser cette notion de quartier, qui est très souvent abordée d'une façon assez statique, c'est-à-dire qu'un quartier, on suppose que finalement, quand on dessine un quartier, en termes d'exposition à des ressources, ça va être le même pour tout le monde. Les deux personnes qui habitent à côté vont avoir le même quartier. Donc c'est pour creuser un peu cette idée ou pour déconstruire cette approche standardisée du quartier que on a voulu intégrer dans la seconde vague de l'enquête ISIS une question qui concernait justement la délimitation du quartier perçu pour les participants ISIS. Et donc on leur a demandé de dessiner sur une application cartographique interactive la zone qui correspondait à ce qui pour eux était leur quartier. Donc par exemple pour un individu avec la maison ici, voilà le quartier qu'il a dessiné comme, enfin, voilà la zone qu'il a dessiné comme étant son quartier. Et à partir de ces zones justement, nous ce qui nous intéressait c'était de voir dans quelle mesure ces zones pouvaient varier à la fois dans l'île de Montréal, donc spatialement, et aussi socialement, dans quelle mesure les groupes sociaux s'appropriaient différemment le quartier et pouvaient donc faire une expérience des ressources qui y étaient situées, une expérience différente. Donc là, un exemple de deux quartiers, enfin deux zones différentes, un dans la zone de Verdun, un participant de la zone de Verdun, un autre de la zone de Notre-Dame-de-Grâce. Et on voit que pour ces deux cartes qui sont à la même échelle, on peut observer plein de choses, mais on va dire les deux principales. C'est que d'abord, le lieu de résidence n'est pas du tout forcément centré au milieu du quartier. Ensuite, que ces quartiers peuvent être de taille totalement variable. Et peuvent suivre ou non le réseau routier. Enfin, il y a énormément de choses qu'on peut faire, qu'on peut creuser sur ces, à la fois sur la taille et sur la forme de ces quartiers perçus. Mais donc, ce qui nous intéressait, c'était de voir en premier lieu les gradients sociaux, le gradient social dans la taille des quartiers perçus. Donc, on a utilisé, moi j'ai utilisé dans mon étude, le niveau de l'éducation de la mère, le niveau de l'éducation du jeune adulte étant trop sensible à son âge, au cours de sa transition, comme l'ont bien montré tous mes collègues avant. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe quand on calcule la taille médiane du quartier perçu?
Donc d'abord, on voit qu'il a une taille médiane de 196 hectares. Ça ne parle pas à grand monde. Ça vous parlera peut-être plus pour vous dire que c'est un cercle. Si on dit que c'est un cercle de 791 mètres de rayon, ce qui correspond donc à un cercle de half mile, ce qui est relativement en lien avec ce qu'on fait dans la littérature quand on fait un buffer de half mile. Mais par contre, ce qu'on observe, c'est que la taille du quartier perçu décroît graduellement avec le niveau d'éducation. Donc, ce sont les personnes dont le niveau d'éducation de leur mère est le plus élevé qui ont un quartier perçu le plus grand. Et ça, c'est de façon statistiquement significative. Et donc, on va utiliser deux mailles spatiales. La première, c'est le quartier perçu. Donc ici, le polygone en plein, bleu ou rouge, qu'on va comparer avec une zone tampon de taille constante, en l'occurrence le half mile buffer, pour calculer le nombre de ressources qui sont à disposition de la personne et voir dans quelle mesure l'unité spatiale qu'on prend peut induire des forts changements dans le diagnostic que l'on pose sur les inégalités sociales d'accès aux ressources du quartier. Et donc, bon, j'aurais peut-être dû vous le dire d'abord, moi le tabagisme, c'est pas spécialement ce à quoi je m'intéresse à plus largement l'accès à des ressources porteuses de santé. Et donc là, par exemple, j'ai sélectionné plusieurs ressources porteuses de santé. Ça peut être les soins, ça peut être l'accès à des magasins de fruits et légumes, des centres de sport, à des parcs, à des pistes cyclables. Et j'ai essayé de voir dans quelle mesure il y avait une inégalité ou non sociale, suivant qu'on utilisait le half mile buffer ou les perceived neighborhood. Et ce que j'ai pu voir, c'est que systématiquement, quand on utilisait les perceived neighborhood, c'était les personnes les plus défavorisées qui avaient le moins bon accès à ces ressources, alors que quand on utilisait le half mile buffer, les résultats étaient beaucoup moins flagrants. Donc le fait même d'utiliser la façon dont les personnes s'approprient leur quartier, finalement cette appropriation est, on pourrait même dire, une source de inégalité. La première source de inégalité sociale, c'est que d'abord la répartition des ressources est différenciée. Et la seconde source d'inégalité sociale, c'est que l'appropriation qu'on se fait de l'espace est également différente entre les groupes sociaux. Donc en conclusion de nos trois présentations, c'est que à la fois, donc, évidemment, l'endroit où on habite, ça reste l'endroit, lieu de résidence, c'est un lieu d'ancrage fort qui est associé à la fois nos comportements de santé, mais aussi à nos changements dans nos comportements de santé au cours de notre parcours de vie. Que l'expérience de l'espace gagne à être reconnue par les acteurs publics quand ils veulent réduire les inégalités sociales de santé, à la fois en considérant la multi-exposition des personnes, leur exposition à leur lieu de résidence, mais également à leur lieu d'activité, et que cette exposition au lieu de résidence gagnerait peut-être à être pris en compte d'une façon plus individuelle, suivant l'appropriation des personnes. Et que finalement, ça se traduit mal, mais qu'on a besoin d'avoir une approche globale de la ville, le whole city approach, à la fois de par les individus et de par la ville elle-même, pour peut-être mieux comprendre ce rapport entre espace et santé. Voilà, je vous remercie. Mmh.